Coucou vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode de notre défi gardien de la nature. Alors, c'est normal si j'ai la même dégaine que dans le dernier épisode. J'ai décidé de tourner les épisodes un petit peu à la suite pour comme ça je puisse garder un semblant de régularité dans mes vidéos vu que je vais commencer à travailler. Voilà. Donc, la fois dernière, nous avions enfin débloqué le poulailler. Tia, tia, tia. El poulailler, enfin. Bref. Et ce qui est trop cool, c'est que comme je m'étais mis un palier à 4000 simflouz, et que le poulailler ça ne coûte pas cher, en fait, on a pas mal de restes en simflouz, ce qui fait qu'on atteindra rapidement... Je sais pas ce qu'elle fout cette mèche. On va se calmer, hein, les gars. On va se calmer. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Voilà, on a 3000 simflouz qui nous restent des 4000 que j'avais économisé du coup pour... ce poulailler, ce qui fait qu'on va arriver vachement rapidement, je pense, aux 10 000. Et comme on a atteint aussi le niveau 2 en bricolage, il nous manque juste les 10 000 simflouz pour pouvoir faire la première amélioration de notre maison. Voilà, donc j'ai extrêmement hâte de commencer vraiment à faire cette rénovation de maison. Bref, la cimette, notre cimette, elle est au bout de sa vie. On doit nettoyer la litière, il faut qu'on aille aux toilettes, qu'on mange. Par contre, pour manger, on n'a plus de poisson. C'est la débandade. Donc, elle va aller aux toilettes. Je me tâte. Est-ce qu'on n'irait pas faire des courses? Je crois qu'on va aller faire des courses au village. Comme ça, on aura un petit peu de bouffe. Comme ça, on ne doit pas tout le temps aller pêcher. Et ça nous fait des... ça fait un petit peu de RP d'aller au village acheter à manger. Allez, on va aller... C'est bien, on commence à avoir vraiment pas mal de connaissances. Moi, je suis contente. Allez, on va au village, on va s'acheter à manger. Alors, madame, on va marchander déjà, comme ça, on va peut-être réussir à avoir des réducs. Sauf qu'on n'a absolument pas de niveau en carré. Si? Non? Elle va en perdre un dessus. Bon, du coup, on va acheter des produits. Faudrait qu'on augmente notre charisme pour que ça fonctionne, je pense. Alors, bah déjà, on peut s'acheter du poisson, c'est pas plus mal. Une bouteille de lait, de la brioche, c'est pas mal. On peut en acheter comme autant qu'on veut. Allez, on en prend 3-4. Voilà. Ensuite, on va pas acheter de livres de cuisine parce que ça coûte un peu cher et on a vraiment besoin d'ingrédients pour faire à manger plutôt. Donc, on va prendre un petit peu quelques petites choses. Hop. Fromage, ça c'est pas mal. On en prend 3. Lait enrichi, lait puissant aux plantes. On en prend un de chaque. Je sais pas si ça va être utile. Un oignon ou deux. Peut-être pour faire un plat, je sais pas. Je réfléchis un petit peu à qu'est-ce qui peut être utile. Du sucre, sait-on jamais. De la viande blanche, on va en prendre plusieurs. Des œufs, ça on en aura, donc c'est ok. On en a pour 390 simflouz, ça va, franchement. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est rentrer. Je crois qu'il n'y a rien à récolter par ici. Donc on va rentrer et se faire à manger du coup. Est-ce qu'il y a une action pour déranger les courses? Non. Hop, ok, bon, on va ici, je vais tout foutre dans le frigo, voilà. Donc, si je fais cuisiner hors réseau, je peux faire plein de choses. Je peux faire un sandwich au fromage fondu, poisson bâton, on en a peut-être un peu marre, hein. Et de la brioche, j'en ai acheté, donc, ouais. On va se faire un sandwich au fromage fondu pour changer. Qu'est-ce qu'elle est embarrassée, marchande sans cœur? Ok, d'accord. Nice. Alors, on va un petit peu aller voir au niveau des œufs. Est-ce qu'on peut ramasser les œufs? Oui. On va ramasser les œufs, on va percer la nourriture et on va un petit peu causer. Ouf. Ah oui, il faut qu'on s'occupe du du potager, c'est l'horreur. Ok. Alors, faire évoluer, on va désherber, pulvériser. Oh, trop bien, maintenant on a l'aspirateur. On a tellement augmenté en niveau qu'on a déjà l'aspirateur, truc de fou. Est-ce qu'on doit arroser? Non. Alors, ce qu'on va faire, on va donner des encouragements. Putain. Ce mot, mais ce genre de phrase, elle me tue. On va l'appeler le terrier stylé, le terrier à lapin. Ce qu'on va faire quand elle a fini ça, c'est qu'on va faire un petit peu le tour de partout. Il y a un lapin là ou... Ah ouais, et ça va? Basilic? Il reste là, il ne bouge pas. Donc, on va faire le tour, on va un petit peu chercher plein de petites choses, essayer de trouver des pierres, des trucs à vendre, récolter des petites choses. Ici, non, en général, il y a des choses à récolter, il me semble. Des chocobés, mais on en a un petit peu marre, hein, des chocobés. Ah, cueillir champignons étranges. Peut-être... qu'on va enfin avoir
tous les champignons qu'il nous faut pour la commission de l'ami des créatures, du gardien des créatures. C'est le gardien, hein. Je crois que c'est le gardien des créatures. Ah, ici, il y en a plein aussi. On va tout récolter. Je vais attendre. Je me calme. Il n'y a pas de problème. Roche calcaire. Nice. Ça part à la vente. Tout de suite. On fait 76 flous. Nice. Alors, cueillir. Je dois attendre. Alors, c'était des champignons épicés, il me semble. Oui. Elle en a. Cueillir. 3. Combien il fallait? 6, non? Je ne sais plus. Où est-ce qu'il y en aurait d'autres? Ici, il y a un truc à creuser. Là, il y en a... Ouh! Il y a plein de champignons verts. J'espère que c'est pas juste des champignons comme ceux-là. Verdoyants. Encore des pièces d'amélioration. J'en ai 18, sérieusement? Non, ça va, c'est un peu de tout. C'est bien qu'on ait attendu comme ça, parce que du coup, il y en avait plein qui en ont poussé! Plein! Elle commence à schlinguer ses verres, mais on va d'abord aller voir le gardien des créatures. Voir si je peux... Où es-tu? Ah, ici. Si je peux lui remettre... Je lui ai pas encore pris de mission? Ah, non. Non, je croyais. Alors, présentation respectueuse, monsieur. Bonsoir. Alors, à tous les coups, il va venir nous rejoindre. Non, pas du tout. Où est-ce que... On va te faire une présentation. On va se dire coucou. Allez, je suis désolée Abigail, mais c'est pas le moment, je veux faire la mission de monsieur. Alors, proposer de l'aide pour les commissions, on va faire du coup ça, et alors, récompense, un assortiment d'ingrédients, de l'engrais, et si vous avez de la chance, un repas fraîchement préparé, fruits, laine, vêtements pour animaux. On va prendre ça et on verra par la suite, écoutez. Donc, il nous faut des chocobées, on va aller prendre celle-ci, comme ça on lui donne. Oh, on a reçu un cadeau parce qu'on fait partie de la communauté. Mais c'est trop bien. Hop, livrer les chocobés. Qu'est-ce qu'on a reçu? Oh, plein de trucs. On a reçu des œufs, du lait, des chocobés. Ça, c'est ce que j'ai récolté. Des myrtilles, des framboises. Mais c'est trop cool. Par contre, on schlingue et ça m'angoisse. Du coup, la prochaine chose. 6 champignons. Ouais, ça, je peux te les livrer déjà. Hop. J'espère que ça va vite, du coup ça va compléter la mission. Elle est crado, elle est dégueulasse. Oh, qu'est-ce qu'elle est dégueu. Elle en a même sur le nez quoi. On n'a plus qu'à manger la purée de champi, et après on aura nos récompenses. Ah oui, parler à une volée. Oui. Oh, je sais plus parler. Une volée, mince, elle doit se réveiller la volée. Bon, tu vas rentrer à la maison, tu vas te laver. J'espère que ça va durer... Ça ne dure que 4 heures. Oh, l'angoisse. Comment on va faire? Est-ce que moi, je peux faire une purée de champignons? Ah ouais, je crois que c'est ça, c'est soupe de champignons. Pas purée. Pourquoi je dis purée? Attendez. Ah mais si, purée. Je suis perdue. Par contre, c'est vachement ennuyant. Parce que si je n'ai plus les effets, comment je fais? Ah, je sais pas du tout comment je vais faire. Je vais essayer d'en faire une moi-même, là, la soupe de champignons. Parce que ça a la même tronche. Et ben on va voir. Ouais non, ça a pas vraiment la même tête. Hein. Ouais, ça ne... Non. Je suis perdue. Ouais, la volée des oiseaux. Ouais non, il n'y a plus du tout l'effet. Je vais voir si je sais pas demander au gardien pour avoir... Ah, demander plus de purée de champignons. Parfait. J'avais peur parce que du coup, on était un petit peu bloqués là. Heureusement qu'il y a cette interaction parce que je sais pas comment on aurait fait sinon. On en a... Oui, je vais vite creuser ici, puis manger la purée. Voilà, donc, maintenant on va voir la volée d'oiseaux. Où est-ce qu'elle est, cette volée d'oiseaux? Attends, je suis perdue. Ici. Hop, parler et vraiment écouter. J'en profite pour ouvrir le fossile ici. Hop, on va le vendre. Et du coup, on a terminé notre mission. Donc on peut retourner voir... Le gardien des créatures. Ah mais en plus il y en avait un là de voler d'oiseaux. On n'était pas obligé d'aller aussi loin. Hop, où est-ce qu'il est le gardien? Monsieur le gardien, où êtes-vous? Monsieur le gardien, où est-ce que vous êtes? Il est où? Monsieur le gardien, il est où? Où êtes-vous monsieur? Il est pas là-dedans. Où êtes-vous? Ça c'est un petit lapin. Le gardien, est-ce qu'il est dans mes... Voilà. Discutez. Où êtes-vous? Où êtes-vous, monsieur? On va examiner la maisonnette, je crois, parce qu'on n'a pas trop le choix. Alors, qu'est-ce que ça va dire? Est-ce qu'il est parti dans les bois?
Ah, dans les ruines. Il est pas là, hein? Je ne le vois pas. Je crois qu'on va devoir attendre qu'il revienne. Oh mince, on n'a pas fait du tout de. On n'a pas fait du tout de conserve. Bon, je vais vite rentrer, voir si on peut récolter. Il n'y a plus le logo maison ici. Il est là? Bon, on va aller à la foire et we will see, hein. Alors, est-ce que par hasard, on peut participer avec ce qu'on a? Oh, oui. On va tenter. On va regarder si on a un truc de qualité très bonne. Ah, on a des chocobé. Ah, champignons adorables, excellent. Mori, excellente. On va mettre de la mori parce que bah, ça coûte plus cher. Donc, je me dis peut-être que c'est. Peut-être quand ça sera plus efficace. Bah, du coup, on peut vendre quelques trucs qu'on a dans les poches. Je vais voir vite fait chez elle. Oups. Si ça vaut plus cher ou pas. Non, ça vaut la même chose. Bon, bah écoutez, on va vendre tout ça. Du coup, bah je sais pas à quelle heure ça se finit, donc on va attendre. Et on s'arrêtera là-dessus. Oh, on a reçu un cadeau. On a reçu du lait et des champis. Nice. On a gagné la deuxième place. Trop bien. Oh, du coup, on gagne en. Votre plante a obtenu la deuxième place à la foire de Finch Week. Vous trouverez votre plante dans l'inventaire de votre Sims et de votre foyer. Pensez à vous préparer pour la foire aux vaches de Finch Week de la semaine prochaine. Sauf qu'on n'a pas de vaches. Ok, donc on va rentrer. On va rentrer à la maison. On va aller dodo. Et bah voilà. On va accrocher notre floche sur un mur. Voilà. Si on peut. Je sais pas si on peut. Who are you? Pourquoi t'es devant chez nous, toi? Bref. On rentre, on va dodo. On va mettre la floche sur ce mur-là. Oui, on peut la mettre, nice. Voilà. Ok, bon, bah ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va aller dormir et on va s'arrêter là-dessus pour cet épisode. Voilà. Bon, cet épisode était quand même moins productif, on va dire, que le précédent, vu qu'on a eu le poulailler dans le précédent. Ici, on a juste réussi à compléter une mission qu'on n'a toujours pas rendue. Ah oui, il faut qu'on lui parle en fait. Donc voilà. Voilà. Du coup, bah, j'espère que le prochain épisode, on arrivera à avancer un peu plus et à récolter plus de sous. Faudra qu'on fasse des bocaux. Je pense que je ferai ça, les bocaux en off, comme ça, à chaque fois, on perd pas de temps en jeu avec ça. Voilà. Bon, bah, du coup, j'espère que ce petit épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu et à vous abonner comme d'habitude. Et là-dessus, eh bien, je vous laisse et je vous dis à bientôt!